Bonjour les petits moulitrons. Avouez que vous avez failli devenir fou quand vous avez entendu ce bruit de lecteur de disquette répétitif qui semblait tourner dans le vide. Je ne sais pas si les disquettes originales de Populous 2 version Amiga, ça faisait ça. Ou si c'est un problème spécifique à cette version craquée, ou si c'est un problème dû à l'émulateur, j'en sais rien. Parce qu'à l'époque, j'ai joué que sur Atari ST. Le jeu était quasi identique à ce que vous allez voir là, en tout cas. Si j'en juge à mes souvenirs, c'est plutôt joli ça, non? Non, mais je vous laisse le temps d'admirer, hein. J'espère que vous avez bien apprécié aussi tout à l'heure sur fond bleu, là, le texte qui défilait, tout ça, le logo Bullfrog, avec les effets de transparence. Balèze, hein? Non, mais attendez. Eh, l'Amiga ou l'Atari ST, c'était des machines avec des palettes de couleurs indexées, hein. Pas facile de faire de bons effets de transparence dans ce cas-là. Quand même, hein? Et puis, ce que vous voyez là, c'est assez joli aussi. Alors là, je choisis les traits du visage du dieu que j'incarne dans le jeu. Ouais, et je m'amuse avec ça, hein, parce qu'en fait, ça a pas d'intérêt dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous jouez vraiment à Populous 2, il paraît que selon les traits que vous choisissez, ça va donner certaines caractéristiques à votre dieu. J'ai jamais su le détail, ni même si c'était vrai en fait, parce que sur ST, je l'avais en version craquée et je ne me suis pas penché vraiment en profondeur sur les mécanismes de jeu. Le peu que j'en avais saisi, ça me plaisait déjà. Bon, vous avez vu au passage que j'ai choisi de répartir des sortes de points de compétence dans différents types d'éléments comme l'eau, le feu, etc. Et là, je vais afficher la fiche d'un autre dieu, il a presque la même tête que moi, mais j'ai pas fait exprès, hein, qui est le premier dieu que je vais affronter dans ce jeu. Alors je vous rappelle que les Populous, au départ, ce sont les jeux qui ont popularisé et peut-être même inventé totalement le principe du God Game. Vous êtes un dieu, vous jouez contre un autre dieu par population interposée. Alors là, je fais bien le tour de l'icône qui voulait dire déclencher l'Armageddon, puis sur le casque. Le casque, c'est, je pense, pour donner à vos bonhommes est-ce que c'est pour les convertir de s'entraîner au mince, pour les pousser à s'entraîner au combat, ou est-ce que c'est pour leur dire d'aller attaquer le camp adverse? Non, parce qu'il y a deux icônes différentes. Je crois une pour chacune de ces deux actions. Je crois que celle-là qui est jaune, c'est pour préparer des guerriers, quoi. Voilà. Bon, et vous avez vu qu'il y avait une petite icône rouge, genre flamme. C'est la seule attaque élémentale que je peux faire dans ce premier niveau du jeu. Et vous avez vu aussi qu'il y avait écrit toutes les règles du niveau. Genre, vous pouvez faire monter ou descendre le terrain chez vous. Vous pouvez aussi le faire ailleurs. Vous pouvez même le faire chez l'adversaire. Bon, ça, ce que vous venez de voir là, c'est une protection contre copie qui, évidemment, est craquée dans la version que vous voyez là. Bon, bref. Alors, vous connaissez le 1 ou vous avez suivi ma vidéo sur le 1, vous avez vu, c'est vraiment pareil. Alors, par contre, juste graphiquement, ça, c'est la claque. Ça, c'est la claque. Putain, à l'époque. Ouais, vous pouvez dire c'est une 3D isométrique banale, blablabla. Juste, c'est tellement plus beau que le premier. Ben, c'est vraiment fichu pareil, hein. Y a rien de révolutionnaire, hein. Mais alors, putain, c'est 10 fois plus fin et 10 fois de meilleur goût. Voilà, les graphismes du Populous 1, ils étaient chouettes et lisibles pour le type de jeu que c'était, y a pas de problème. Mais je peux pas dire qu'ils étaient classe. Là, c'est la grande classe. Putain, sans déconner. Voilà. Alors, par contre, bon, ben, désolé, mais le mécanisme de base, je fais monter et descendre des bouts de terrain à la souris pendant des heures et des heures et des heures. Il y a 500 niveaux, hein. Alors, c'est comme dans le 1, hein, on les fait pas tous pour gagner le jeu, mais en même temps, je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a gagné Populous 1 ou 2, hein. Bref, donc on a plani le terrain, comme ça, nos bonhommes, ils peuvent prospérer tranquillement et créer des bâtisses de plus en plus grandes, des petites huttes, des petites maisons, des châteaux forts, des villes, des machins, des bidules, bon bref.
Voilà. Non, mais je m'amuserai pas à ce genre de truc aujourd'hui, hein. Là, faut être honnête que niveau gameplay, c'est, y a plein d'idées géniales dans ce jeu, mais quand on passe presque tout son temps à faire monter ou descendre ou à se balader un peu partout sur la carte pour regarder ce qui se passe, voilà. Donc moi, je suis le dieu des bleus, j'ai la population bleue, voilà. Et puis, je me bats contre l'ordinateur qui contrôle l'autre dieu et la population rouge. Et puis, ben je me fais chier en fait. Non, mais à l'époque j'aimais bien, il n'y a pas de problème, hein. Mais je me fais chier. Le troisième Populous, qui s'appelait Populous The Beginning, hein, sorti longtemps après, en vrai 3D, là c'est de la 3D isométrique. Ils avaient enlevé cette nécessité d'aplanir le terrain point par point. Ils ont fait un jeu vachement plus intéressant. Et en plus, il y avait 25 niveaux, hein, donc là, on était obligé de tous les faire pour gagner le jeu, mais il n'y en avait que 25. Il fallait un temps fou pour tous les terminer, mais je sais que je l'ai fini une fois, le troisième Populous. C'est vraiment un jeu que j'avais adoré. Je meuble comme je peux, excusez-moi, hein. Là c'est pas passionnant, hein. Par contre c'est beau quand même. Non mais on parle d'un jeu ST ou Amiga, je veux dire, c'est beau. C'est beau. Et puis ça change du style habituel des jeux d'action qui pètent dans tous les sens. Que j'aime aussi, c'est pas ça la question. Voilà, je suis allé voir du côté des rouges, de mes adversaires. Et vous avez vu que je fais des creux et des bosses dans leur terrain, mais évidemment c'est pour tout casser. Et puis tant qu'à faire, s'il y a des bonhommes qui peuvent rester à l'eau et se noyer, comme là, c'est très bien. Pourquoi? Parce que plus votre population est supérieure à celle de l'adversaire, plus vous avez de chances de l'emporter si à un moment les deux populations se rencontrent physiquement et commencent à se friter entre elles. Mais en plus, je crois bien me souvenir que plus vous avez de monde dans votre population, plus ce monde prie pour vous, et plus vous avez de monde qui prie pour vous, plus vos pouvoirs magiques augmentent. Il y a dans ce jeu des barres de mana. Alors il n'y en a qu'une dans Populous 1, dans Populous 2, il y en a 6. Une pour les actions jaunes, une pour les rouges, le feu, une pour ben les autres. Vous voyez, il y a 6 trucs là. Il y a le petit bonhomme, il y a l'arbre, il y a la terre, il y a le ciel, il y a le feu, il y a l'eau. Bon, même si encore une fois, dans ce premier niveau, on ne peut pas utiliser beaucoup de je veux dire des compétences. On pourrait penser que je parle d'un RPG, mais bon, j'ai pas d'autre mot qui vient à l'esprit, des compétences différentes. Voilà. Voilà, c'est un jeu qui était bien fichu et qui était très intéressant sur le principe, mais qui, encore une fois, en 2021, bon, c'est trop répétitif. Mais écoutez, même le troisième Populous, le The Tribe, je ne peux pas vous conseiller d'y jouer aujourd'hui, parce qu'il est infiniment plus intéressant que les deux premiers, de mon point de vue. Mais il faut savoir que même à l'époque où il est sorti, je dirais 1999 de mémoire, mais je peux me tromper. Niveau gameplay, il était déjà dépassé par des jeux de stratégie autres ou d'autres God Games. C'est un peu dommage, c'est un peu rendez-vous manqué avec l'histoire, le troisième Populous, un peu comme John Master 2. Ah, là voilà, là j'ai pu déclencher un pouvoir de feu pour griller un peu les adversaires. On va voir si ça devient intéressant niveau son ou pas. Ben non, le seul son qu'on entend, c'est toujours ce lecteur de disquette qui semble tourner dans le vide. Bon, regardez là-haut, là où je fais des ronds avec la souris. À gauche, on a une idée de la taille de la population bleue et à droite de la population rouge. Donc, pour l'instant, mes bonhommes sont plus nombreux. Je suis a priori avantagé, c'est cool. Bon, je suis déçu, je comprends rien. Il me semblait qu'il y avait des petits sons par-ci par-là tout le temps, alors plutôt dans genre bruitage assez épars. Ça me fait penser d'ailleurs, parenthèse, que dans le troisième Populous, il y avait une ambiance sonore hyper travaillée qui était incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vérifié sur Wikipédia depuis tout à l'heure, le jeu est sorti en 98 sur PC et en 99 sur PS1. Et ça m'étonne pas que j'ai dit 99 spontanément, parce que ce troisième Populous, je l'avais acheté en original sur PC et en original sur PS1. J'ai connu les deux versions. Bon. Alors. Bah écoutez, je sais pas ce qui se passe. Je veux dire,
ce Populous 2, j'y avais joué sur Atari ST. Il y avait quelques petits bruitages, et en particulier quand on déclenchait des catastrophes chez l'adversaire, ou quand l'adversaire déclenchait des catastrophes chez nous. Par exemple, on entendait un bruit de flamme bien crépitant, si j'ai bonne mémoire, à chaque fois qu'on utilisait certains sorts de feu, dont celui-ci qui est le premier, et donc le moins puissant des sorts de feu, et le seul sort de feu qu'on peut utiliser sur cette carte. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, pas grand-chose. Je veux dire, j'ai tourné une vidéo qui a duré un peu plus de 20 minutes en tout. Et en 20 minutes, ben, j'ai pas mal étendu la zone occupée par mes bonhommes bleus. Voilà. Là, vous pouvez voir que le bonhomme bleu qu'on voit là, il est de type guerrier. C'est pas le bonhomme de base, hein, il a une armure. Ça doit être parce qu'à un moment, j'ai cliqué sur un truc qui a encouragé les mecs à se transformer en guerriers. Bref. Voilà, donc dans ma partie que j'ai continuée jusqu'à 20 minutes, ben, je prends plus en plus de terrain, mon adversaire aussi. À un moment, nos populations se rencontrent, elles commencent à se friter. Alors l'issue d'un combat, c'est tiré aléatoirement. Ça a dû être un casse-tête à programmer, d'ailleurs, les déplacements des bonhommes, notamment quand ils se battent et tout. Il y a plein de petits... J'ai aucune idée des types d'algo qu'il peut y avoir là derrière. Je veux dire, c'est avant tout parce que j'y ai jamais vraiment réfléchi. Je pense pas que ça doive être d'une complexité inhumaine, surtout vu depuis 2021, mais ça n'empêche pas que créer un jeu de ce type dans les années 90, c'était fort, quoi, vraiment, hein, sur tous les plans. Voilà, donc dans ma partie qui dure 20 minutes, eh ben, on voit toujours pas la fin du niveau. Les bleus et les rouges ont une grosse population, les bonhommes se fritent, mais il n'y a personne qui l'emporte largement, alors sachant que pour terminer un niveau, il faut avoir tué toute l'armée adverse, quoi. Il faut pas qu'il y ait un seul survivant. Tant qu'il y a un survivant d'un côté, la partie n'est pas finie, la situation peut éventuellement se renverser. Ah ouais. Bref. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je suis tenté de parler plus longtemps juste pour continuer de voir les belles images, mais même les images en tant que telles, elles sont répétitives maintenant. D'ailleurs, entre nous, à l'heure qu'il est, vous ne m'écoutez plus, on est d'accord. Vous avez déjà arrêté la vidéo. Hein? Écrivez un commentaire pour confirmer qu'à ce stade, vous avez déjà arrêté d'écouter la vidéo. Bon, ça y est, je commence à dire n'importe quoi, les amis. Petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à bientôt.